congodialogue.com. Regardez, les combattants ont tout brûlé. La gare de Lyon est en train de brûler. Regardez-moi ça. Regardez. Les Congolais ont foutu la merde. Je crois que la police va tirer la leçon. Regarde où est la police. Regarde-moi ça. Je vais t'obliger de partir parce que tout est noir. La gare de Lyon est en train de brûler à cause de ce foutu concert de Fally. Regardez-moi ça. Tout brûle. Tout brûle. Tout brûle. Regardez, il y a du feu partout. Les Congolais sont en train de saccager. Alors, voyez un peu le bordel. En direct de Paris, gare de Lyon. Ils ont tout brûlé, les Congolais ont brûlé tout, 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 tout. Tout brûle. C'est épouvantable. Je veux pouvoir m'enfuir. Parce que là, ça commence à être irrespirable. Je pense que s'il y a un concert qui va venir, ça ne sera pas accepté. Tout brille, tout brille. La gare de Lyon brille. Vous êtes en direct des concerts de Fally où les combattants résistants ont tout brûlé. Tout est parti de la provocation, je ne sais pas, de quelques éléments de l'ordre qui ont essayé un peu de charger les Congolais et les combattants ont répondu. Regardez-moi ça. Tout brûle ici. Regardez-moi. Regardez-moi la fumée. C'est chaud. Hein? Je vous assure, tout brûle. Et les gens ont dégagé. Voyez tout ça là, c'est la fumée. Oh là 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 là. Les Congolais, les combattants saccagent tout dans leur passage. Oh là 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 là. Viens, viens, viens. Vous êtes en direct de Paris. Là, vous suivez les manifestations tournent au cauchemar. La police a commencé à charger les combattants et les combattants, en fuyant, ils ont tout brûlé, tout brûlé. Voyez là, la gare de Lyon, on ne voit plus rien, que de la fumée. Vous voyez, il y a quelques policiers qui prennent des images, qui essaient un peu de remonter les rapports. Mais je vous assure que tout brille. Et il y a même des banques qui ont. Des vitrines des banques qui sont. Qui se sont envolées. Oh là là. C'est irrespirable. C'est irrespirable. Je vous assure que. Je ne sais pas si je dois pouvoir continuer ce direct. Comme ça, vu que la France ne veut pas quitter le Congo, on va continuer.
Voilà. Amor les empereurs Yanis. Ouais, les empereurs Yanis. Celui que vous voyez en bas, c'est Esso, qui est en train de faire son direct. Vous voyez, on ne voit pas bien, mais bon. Oh là là, tout brille, hein, tout brille. J'essaie de vous montrer. Regardez des immeubles. Tout brille. La fumée noire remonte. Oh là 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 là. Vous voyez là, il y a une vitrine d'une agence immobilière qui a voilà, qui s'est envolée. Ils ont essayé de le poteau, c'est une barrière que vous voyez là. Ils ont cassé la vitrine avec la barrière. Là, les abris de bus se sont envolés aussi, hein. Tout est cassé. Je continue à vous montrer en dessous de nous, on est ça c'est le pont sur lequel je mets tout, mais en dessous de ce pont il y a des voitures, des véhicules qui ont tous brûlé aussi. Donc de l'autre côté, juste en face de la maison de RATP, pour ceux qui connaissent bien la gare de Lyon, la maison de la RATP, vous voyez bien, devant, il y a tout ça, il y a tout qui brille. Quand vous regardez la fumée qui sort en dessous du pont, c'est immense. Ah là, c'est un bon coup, les Congolais, les combattants, les résistants ont donné vraiment un bon coup. Hein. Là, je pense pas que la prochaine fois, on va accepter les concerts des Congolais à Paris. Parce que ça ne va pas être comme ça tous les jours. Je vais vous montrer la fumée. La fumée danse. Vous voyez comment ça brille. Nous, on est au-dessus du pont. Et en dessous, il y a des véhicules. Ils ont brûlé des véhicules. Juste en face de la maison des RATP. Hein, pour ceux qui connaissent bien la gare de Lyon, à Paris. Hein, les motos. Voilà, les véhicules, voilà, les motos, les voitures. Juste en face de la maison des RATP. Vous attendez la chanson? Voyez tout, voyez-moi la fumée, voyez-moi. Et vous imaginez ce qui brûle en dessous, voyez la fumée, regardez. En face, juste en face, la maison de la RATP. RATP, c'est la régie autonome des transports parisiens. Tous ceux qui gèrent le bus de Paris et banlieue, les métros et quelques trains qu'on appelle RER. Donc voilà, juste en face de bel immeuble de RATP, juste en face. Regardez-moi, vous savez les canons là? Ça c'est le feu, hein. Ça explose. Regardez, je vais t'obliger de m'enfuir. Regardez la fumée, regardez-moi la fumée danse. C'est incroyable, juste en face de la maison de RATP. Tout brûle, tout brûle. Tout ça parce que le préfet n'a pas pris les sages décisions d'annuler cet concert. Servir à grand chose. Donc là, je suis dans le cœur de la fumée. Regardez, regardez. Vous voyez le feu? Ah, on sait pas. Ouais, vous attendez les canons là? Je suis dans le cœur. Il n'y a plus personne. Tout le monde s'enfuit. Et en fuyant, les combattants mettent du feu partout. Regardez-moi ça. Vous voyez ça? Regardez ça. Regardez. Incroyable. On est en plein Paris, regardez-moi le ciel, regardez comment la fumée monte. Incroyable. Tout brille à Paris. Oh là 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 là, je vais pouvoir m'enfuir là. Incroyable, regardez. La rue de Bercy brûle. Oh là 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 là. C'est incroyable. La rue de Bercy brûle. La rue de Bercy brûle. Regardez-moi, la rue de Bercy. Du département de l'économie, voyez là un peu plus loin, jusqu'à la maison des RATP, tout brûle.
Continuez. Voilà. Là, on est en direct de Paris. Hein. La rue de Bercy brûle entièrement. Entièrement. Vous voyez ? Je suis juste devant la maison de RATP. Là. Vous voyez le panneau de la maison de RATP est en dessous. Nous, on est au-dessus sur un pont. En dessous, il y a des parkings de voitures. Tout brûle. Tout brûle. Je vais essayer. Vous voyez, vous entendez les canons là ? Ça, c'est des explosions. Des explosions de feu. Je vais essayer de me rapprocher au cœur du feu. Regardez-moi ça. Là, je sens brûler. Hein. Je vais reculer parce que ce n'est pas prudent. Vous voyez le feu ? Regardez-moi ce feu, c'est gigantesque. Paris brûle, Paris brûle, Paris brûle. Regardez-moi ça. Oh là là, oh là 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 là. C'est incroyable. C'est incroyable. Voyez les gens comment ils s'enfuient. Les gens se sauvent. Hein. Des explosions partout. Je vais essayer de me rapprocher là où se trouvent, là où se sont assemblés les combattants. Mais partout où je passe en dessous, ça brûle. Paris brûle. Tout ça parce que le préfet n'a pas pris les sages décisions d'arrêter ces concerts. Vous voyez comment il brûle là, vous voyez ? Là, nous sommes au-dessus. Il y a la rue de Bercy en dessous. Le feu arrive à notre terre. Regardez la fumée. Regardez la fumée. Regardez la fumée. Regardez par vous-même. Restez branchés. Paris brûle. Là, nous arrivons là où tout le monde se rassemble. Ah, des badauds, des combattants, la police. Et voilà comment ça brille. Je vais vous montrer un escalier qui donne sur la rue de Bercy. Vous voyez l'escalier là, les gens montent. Je ne sais pas comment ils font. Vous voyez comment ils font pour monter, mais c'est incroyable. Madame, qu'est-ce qui se passe en bas là? Des pyromanes. Tout brille là. Facile de brûler. Oh là 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 là. Vous voyez comment. Il y a la police qui fait son rapport. Vous voyez les deux policiers là, ils font le rapport. Tout brûle, oh là 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 là. C'est incroyable. Incroyable. Vous voyez dans la rue là, devant le café là, il y a le feu. En dessous là, il y a le feu. Oh là là. Irrespirable, irrespirable. Irrespirable, on sait pas comment on va faire. On veut comment pour rentrer. Comment on fait pour rentrer? On va passer par là, mais attendez. C'est le Congolais qui marche comme ça là. Il y a eu une manifestation des Congolais, oui. C'était suite à un concert. Voyez par vous-même des explosions. Regardez-moi ça, Paris brûle, la gare de Lyon brûle. Tout ça parce que le préfet n'a pas pris les sages décisions d'annuler ce foutu concert. Bah, il va annuler. Hein. Ce concert qui sert à rien. Il va annuler. Je pense que le dégât occasionné va coûter plus cher que l'argent que va rapporter ce putain de concert. Il y a des motos, ça coûte 17 000 euros. Il y a des motos, Qui brûlent, il y a la rue qui brûle. Si on fait le total du dégât, je pense que le concert ne peut pas rembourser le dégât matériel occasionné. Regardez-moi les gens. Regardez le monde. Regardez la moto de la police qui sont venus constater le dégât. Voilà, on va essayer de vous montrer les combattants. Voilà. Exactement. Ils ont cherché. On nous avait demandé de se voilà. Calmer. Pas voilà. Alors, les dégâts occasionnés. Voilà. Les dégâts occasionnés. Je vais vous montrer en direct comment les combattants sont en train de saccager Paris. C'est incroyable. Voilà. Ce ne
les combattants saccagent tout. Voilà comment tout brûle. Paris brûle. Le préfet l'a cherché. C'était simple, il a dîné ce foutu concert. Là, les dégâts vont coûter plus cher que le concert. Regardez le monde qu'il y a, regardez. Regardez le monde. Oh là 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 là. C'est épouvantable. Incroyable. On ne s'y attendait pas. Bakimeli. 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 Nous remarquons que le. Non mais je te vois parce qu'il n'y a pas le feu. Elle est derrière. Donc voyez le magasin Paul, le gérant et son collaborateur ont pris fuite parce que voyez le feu là. Incroyable. Mais ils l'ont cherché. C'était plus simple la Guinée. On avait écrit, on a appelé. Voilà. Qu'est-ce que vous annulez? Ils n'ont pas compris. C'est ce qu'on vous dit, le peuple est plus fort que l'armée, voyez. Voyez comment la police est débordée. Les pompiers ne peuvent même pas accéder parce que tout est barricadé. Je vous laisse suivre. Nous sommes toujours à Paris-Gadelion, juste en face de Bercy, où tout brille. Pour ceux qui connaissent bien la gare de Lyon, regardez, l'immeuble Citizen Hotel, juste en dessous. Ça brille. Regardez-moi la fumée. Écoutez les explosions. Regardez la fumée où ça monte. Regardez-moi ça. Regardez. Je vais vous montrer l'horloge de la gare de Lyon. La fumée monte jusqu'au-dessus de l'horloge de la gare de Lyon. Regardez-moi ça. Les dégâts occasionnés seront énormes. Énormes. Bazonga. Regarde, les pompiers sont menacés. Les combattants ne veulent pas qu'ils aillent éteindre le feu. Ils veulent pas qu'ils éteignent le feu. Ils veulent bien que Paris brille. Voyez la scène où les combattants congolais barrent la route aux pompiers et les pompiers font demi-tour. La police ne peut pas les accompagner parce qu'elle est débordée à son tour. C'est incroyable, incroyable ce qui se passe. C'est incroyable. Regardez-moi le feu. Ça brûle. Paris brûle. Franchement, le préfet va se faire tirer les oreilles. Là. Ah. Ah, bien sûr, ça vote. Ça vote. Le vent attise le feu. Voyez comment on saccage. C'est chaud. Voilà, je vous dis. Mais là, il s'est passé quoi? En fait, ça, le gens protestent contre un concert. Ouais. Le préfet, il a interdit la manifestation, il a autorisé le concert. Donc la décision n'était pas juste. On ne peut pas favoriser une manifestation et interdire l'autre.
C'est pour cela, bon bah voilà, ça déborde. Ah, c'est jusqu'au bout, ça brille. Ah ouais? Ah, tout l'eau, ça brille. Je crois que les combattants sont en train de gagner leur pari avec toutes ces explosions. On se demande comment les concerts peuvent tenir dans de bonnes conditions. Là, c'est incroyable. Je vais vous montrer les gens qui sont avec moi sur le pont. Les places sont chères sur le pont. Pour observer cette scène inattendue. J'ai plus de 2600 vues. Allez, tiens, une autre bécane. Ça brûle tout Paris. Paris brûle, Paris brûle. Ils ont mis une autre là. Oh là là. Oh là là, ils ont attaqué là-bas? Ouais, le feu là-bas, là, les scooters. Oh, c'est parti. Oh là 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 là. Regarde un début de feu devant l'hôtel. C'est incroyable. Tout va brûler là. Tout va brûler, tout va... C'est fou, mais c'est quoi ces gens-là? C'est incroyable. C'est qui ces gens? C'est qui le plus peur? Bah, filmez, vous comprendrez après. Ah, il y a la police qui arrive. La police arrive, la police essaie d'encercler. Voyez la police qui arrive là. Ça charge, ça court. Comment ça charge? Oh. Ça court, ça charge. Ça charge. Et là ça court. Et là ça charge. Et les pompiers, ils travaillent comme ils peuvent. Voilà, les pompiers essaient de dégager la route pour aller éteindre le feu. Mais il y a tout le monde là, tout le monde. Ah ouais? Tout le monde jusqu'à la base à brûler. Là, vous filmez qu'une partie là. Tout le long là, ça brille. Faut que je descende là. Ah oui, faut descendre. Mais tu peux pas respirer. Nous, on y vient là. Ça pète partout. Ça pète, ça pète. Wow, vous attendez les explosions? Ça pète. Là, les pompiers essaient de dégager les piquets de béton que les combattants ont mis pour empêcher. Il y a la moto qui brûle là. En bas, les motos. Ouais, il y a un moto. Il y a un début de feu. Il y a la police qui charge. Regardez-moi ça. Ça charge, mon gars. La police charge. Charge des ports. Voici les ports de Gare de Lyon.
Les cochons d'Inde. À gauche, au milieu, cochon d'Inde. Cochon d'Inde, faut se mettre à gauche. Regardez la police. Regardez la police. Incroyable. Et on tape, et on tape. On massacre. On dégage. Ils veulent sécuriser, C'est bon, merci. On nous fait dégager. Voilà. Comme ça, les concerts vont se dérouler dans de bonnes conditions. Voilà. Vous avez vécu le spectacle. On nous fait dégager. La police nous fait dégager. Allez, voilà. La police est là. Vous êtes en train de vivre. Paris, restez là, Paris. Ça, c'est une correction qu'on a donnée à Fally. Comme ça. La police nous fait dégager, vous voyez. La police est là, ça y est. On dégage. Pour ceux qui connaissent la gare de Lyon, on est juste en face de la gare de Lyon. Regardez. Ça, c'est la gare de Lyon. Je vais vous montrer l'horloge de la gare de Lyon. Regardez le monde. Voilà, il y a toujours la fumée. La gare de Lyon brûle. Irrespirable. Irrespirable. Nous sommes dans un pays des droits, on ne refoule pas des gens comme ça. C'est incroyable, je vous montre la fumée par rapport à la hauteur de l'horloge. Regardez-moi ça. Il y a du monde tout autour qui observe cet spectacle grandiose. C'était inattendu. Paris brûle, Paris brûle. Bon, je vais pouvoir vous laisser. Et puis voilà, vous avez été à plus de 4319 à me suivre. Je vous en remercie. Je me suis débrouillé quand même pour vous faire vivre cette scène. Là, à l'heure qu'il est, nous ne savons pas si ce concert va se dérouler. Nous n'avons pas de nouvelles de l'autre côté du concert. Mais avec tout ce qui s'est passé, je ne pense pas que celui qui va s'hasarder à Paris, je ne pense pas que le préfet va autoriser un autre concert à Paris. Et Nyoka Longo à Bruxelles pour demain est bien averti, car les combattants sont décidés de descendre demain à Bruxelles. Nous allons un peu suivre le mouvement des policiers. Ah, il y a des mouvements là, des policiers essayent un peu de...
Je pense que la police avait sous-estimé la force des frappes des combattants congolais. Mais je pense que désormais, les combattants congolais seront sur la liste rouge de la police. Parce que cette scène est épouvantable. Je vais essayer de vous faire voir. Voilà les pompiers qui ont essayé un peu d'éteindre le feu. Mais il y a toujours d'explosions. Toujours d'explosions. Au contact du feu avec les réservoirs de motos, de voitures. Comme vous voyez, ça brille encore. Vous voyez les pompiers là? Ils essayent un peu de dérouler leurs tuyaux d'injection d'eau. Franchement, il y aura des images. Ça sera passé dans toutes les télés, sur toutes les télés. Ça vient d'où? Ouais, c'est des Congolais qui ont manifesté un peu contre un concert que le préfet n'a pas voulu interdire. Ah bon? Ouais. Et alors ils ont foutu le feu? C'est un accident. Non, la police a chargé et puis en fuyant, ils ont tout brûlé quoi. Ah bon? Hein? Mais vous ne voyez qu'une partie. C'est depuis là. C'est à plus de 500 mètres, hein? Tout brille. Hein? Tout brille. Hein? La maison de l'RATP, même un peu plus loin, tout brille. Hein? Jusqu'au carrefour là-bas, tout brille. Ah ben il y a des dégâts. Donc on sera bien au moins pour battre un peu ça là, Tonton, mon ignorance est qui? Est-ce que vous êtes satisfait de m'envoyer tous les gars? Oui. Le peuple gagne toujours. L'air a sonné. Kimbangu fait son. Il y a un risque d'explosion. Bon, on nous a dit de partir, il y a un risque d'explosion. Oh là 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 là, vous voyez la fumée? Regardez le policier. Je tiens bien mon téléphone parce que s'il tombe, je crois qu'ils vont pas m'autoriser d'aller les chercher. Oh là 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 là, c'est incroyable, incroyable, ça continue à brûler. Les pompiers ont du mal à circonscrire le feu parce qu'il y en a partout. L'état qui déroule leur tuyaux d'eau. Et ça brille, ça continue à brûler. Ça continue à brûler. Je crois que le message est passé. Voilà, on revient. De l'autre côté, on essaie un peu de contenir les combattants qui sont. Il y a foule. Hein? Je précise que les Congolais se sont vraiment massivement mobilisés contre ces concerts. Hein? Donc vous voyez. Et là, c'est. Les Congolais sont à plusieurs fronts, en fait. Là, vous voyez, derrière la police, il y a des Congolais. Ici, un peu plus loin là-bas, il y a des Congolais. De l'autre côté de Bercy, on n'a pas de nouvelles, il y a aussi des Congolais. Donc voilà, les combattants ont fait passer leur message. Moi, je m'en ai fait là. Je suis en train de faire la guerre.
Donc il a eu un message. 4500 vues en direct. Donc il a eu un message à Samuel Kenoa. Petit pompier message, Bokati Mabi ici, Bokati Misa. 4500 vues en direct. Ah bon? Le message est loin. Ça j'ai loin. Yeah, loin. Oh ya yo. Ah. Yo t'en finis. Ah, tchangala loupa. Bon combat. Dans une jeune combattant. Bali. Ton PC là nous porte. Donc tout le monde a une question. Est-ce qu'on s'attendait à qui dans Mambo et l'équipe? Non, je ne m'attendais pas. Je pensais qu'on devait. Tout dans le monde a lingala. Dans le monde pour la bonne. Dans le monde pour la bonne. On a vu ça. Je n'ai pas écouté que je n'ai que peut-être il fallait que ta mère avant de défier puis se mettre à coquiller. Donc c'est des avis conseils à la mire. Les peuples gagnent toujours. Bon, est-ce que pour la Nyoka Longo, au lobby Neni? Lobby, Bella, là, on t'a plein. A vu message. Voyons qui vit dans mon corps. Lobby Bella. Ça y est, ton nom, moi, Gawa. Bella. Dès ce soir. Dès ce soir, Bella. Bella, même si voilà, l'homme n'a pas mon. Ma vie, hello. Voilà. La vidéo, c'est Bella. Voilà. On a ma vie au terre. On a ma vie au terre. Nyoka Longo, Azali, prévenu. Josan a prévenu. Ce qui est ligné Bruxelles, elle a brillé. Ah, Nilena, je pense que le message est passé. Même la police belge, je pense qu'elle a eu ce message-là. On n'arrête pas un peuple. On ne donne pas une décision injuste. Quand il y a deux manifestations, soit on autorise les deux, ou on annule les deux. On ne va pas annuler une autre pour autoriser la même façon qu'il y a en face. Voilà les conséquences. Les dégâts occasionnés. La facture sera salée. La facture sera salée. Voyez les projections d'eau, je vais vous montrer les pompiers qui sont à l'œuvre. C'est une femme. Voilà. Les pompiers qui sont à l'œuvre. Parce que les Congolais sont excédés de tout ce qui se passe dans leur pays. Voilà. Là le message est passé. Macron a pris le message. Voilà. Nous allons essayer de rester et prendre toutes les nouvelles possibles. Vous voyez, il y a beaucoup de... C'est ce qui s'est passé ici. Je pense que juste une poignée de gens qui étaient au courant, mais tout le monde s'étonne de l'ampleur de la riposte des combattants résistants. Essayer d'aller de l'autre côté de Bercy pour voir si vraiment les concerts va avoir lieu parce que nous n'avons pas de nouvelles. Vous voyez la police qui arrive. Qui crame le moto, le véhicule? Ah, c'est pas d'accord, c'est juste ça. Ah, juste ça. C'est quoi qui prend feu là? Le moto, le véhicule, ouais, qui sont stationnés de part et d'autre. Des explosions, et puis avec le vent, ça attise un peu. Ça a pris la partie du carrefour, on peut plus là-bas. Ouais, si tout devant la maison est raté, ça vient plus vite. Qu'est-ce qui a brûlé? Ah, toute la rue. Toute la rue? Ça brûle. Tous les véhicules qui se trouvent de part et d'autre. Ah bon? Non, il y a une manifestation, ça tourne au cauchemar. Quoi. Ah. Tout vient de Bercy, il y a un concert là-bas. Ah, ok. Dont certains n'ont pas apprécié.
Vous êtes à plus de 5000 vues pour suivre tout ce qui se passe à Paris. Donc, vu le nombre de vues, je préfère vous laisser un peu suivre cet événement dont la police essaie un peu de récupérer le contrôle, hein, parce que la police avait perdu totalement le contrôle. Là, on essaie un peu de sécuriser. Et la police là-bas, elle essaie un peu d'encadrer les gens, il laisse travailler les pompiers. Là, il y a encore de la fumée, hein, regardez. Hein. Ça prend un peu de temps pour circonscrire tous les départs de feu. Et les dégâts, ça sera salé. Ça sera salé. Et on se demande si ces concerts valaient le coup. Parce que c'est pas ces concerts qui vont rembourser tous ces dégâts. Je crois que les assureurs vont refuser d'assurer les concerts des Congolais. Ah là 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 là. On ne sous-estime pas un peuple. Quand on compresse un peuple, il finit toujours par se libérer. Quoi. Là, c'est le début de la libération du peuple congolais. Là, franchement, les prochaines manifs, il faut faire très attention aux Congolais. Très très attention. Parce que là, ça, c'est un coup d'envoi. C'est un coup d'envoi. Et Nyo Kalong est prévenu. Hein. Faut pas prendre trop de risques. Vous avez le billet? Sans te revenir. Vous allez où? Dis-moi, vous allez où? We don't speak French. Hein? Ah, we don't speak French. We don't speak English. Ah, concert, ok, concert. Ok, concert. Oh, billet. Vous avez un billet. Ah, billet. Voilà, bien. Un concert. Un concert. Un concert. Un concert. Ça continue à brûler. Regarde-moi la fumée. C'est grave. Donc les messages sont passés. Les messages sont passés. Et ça, c'est même pas ton bon. Oui, ça l'a mis bon. Par conseil, on va mettre à souder. Mondez la ligne à l'autre côté. On va mettre à souder, c'est fini. Ah, bête. Les Congolais ont montré leur colère. C'est allô. Non, du moment où l'autre partie va brandir ma arme dans les réseaux sociaux, le préfet ne pouvait pas prendre les risques. Non, franchement non. L'autre côté va l'Alexis Mindou qui va mettre un poum. Comment on autorise Bango? On va mettre un concert. Quand on sort par Bango, non. Devant ces machins-là, tu arrêtes tout, tu fais des enquêtes. Non, à sous-estimer qui va commencer. Au moins, tu as un arrêt, tu as voulu te manifester. Allez, continue. Mon Dieu, ça va aller, t'es pas bon, caca. Prochainement, Congolais, tu as un arrêt contre. Ils vont réfléchir. Voilà. Mais, mon Dieu, tu as un arrêt. On est toujours en direct de la gare de Lyon. Mais tu vas y aller quoi?
Je vais arrêter le direct et on va aller observer des poches, des tensions. Allez, à tout à l'heure. Congodialogue.com